Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Toutes nos excuses pour ces problèmes techniques. Les programmes mis en œuvre au profit du monde rural, revus et corrigés à Ouagadougou par une rencontre qui rassemble les ministères chargés de la question et les partenaires techniques et financiers amenés par un nouveau chef de file. Le Libéria se choisit un nouveau président 2 mois après le premier tour de la présidentielle qui a vu l'ancien footballeur Georges Weah arriver en tête. Il affronte aujourd'hui le vice-président Joseph Boakaye. Cela dit, les programmes et projets exécutés au profit du monde rural passés en revue ce matin à Ouagadougou, la rencontre rassemble les ministères en charge du secteur rural, agriculture, eau, ressources animales et environnement, et les partenaires techniques et financiers. Tout ce beau monde analyse l'exécution des différents programmes et examine le processus de formulation du PNCR 2. Enfin, ce sera une occasion pour une présentation du nouveau chef de file des partenaires techniques et financiers, Issa Kafando Ismaël Diloma Sirima. Échanges et discussions pour ajuster et redresser les programmes de développement rural. Ainsi se résume le menu de cette rencontre entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Les différentes parties vont porter leur attention sur l'état d'avancement de certains programmes. C'est le programme national du secteur rural, c'est la politique sectorielle de ce secteur-là pour lequel nous nous réunissons aujourd'hui. Nous allons regarder ça, on est à quel niveau? Est-ce qu'il y a des aménagements à faire, des améliorations à apporter? Cette rencontre entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers au profit du développement rural se veut périodique. Nous avions pensé que trimestriellement nous pouvons nous rencontrer et voir dans quelle mesure nous avons pu faire des actions et voir dans quelle mesure il y a des difficultés, voir dans quelle mesure nous pouvons résoudre ces difficultés ensemble et s'il y a des points positifs que nous puissions nous encourager justement à faire en sorte que ces points positifs puissent être renforcés. Cette réunion va permettre aux différentes parties de se doter d'un calendrier pour 2018. Un agenda qui, selon le ministre de l'Agriculture, permettra de réguler les actions à mener. La problématique de l'accès à l'eau et surtout à l'eau de qualité est une préoccupation majeure des acteurs gouvernementaux et de la société civile. L'initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement était la semaine dernière sur le terrain au Burkina. Lijako a pu toucher du doigt des réalisations réussies d'accessibilité à l'eau potable, des projets nés d'un partenariat public-privé financé par l'UNICEF. Yacouba Gamene et Maxime Zongo. L'eau et surtout l'eau de qualité, c'est la vie. Et pourtant, elles sont encore nombreuses, les localités où obtenir ce liquide précieux relève d'un parcours de combattant. Au nombre des initiatives pour atténuer la misère des consommateurs, la multiplication des forages qui malheureusement, dans la plupart des cas, ne font pas long feu pour cause de mauvaise gestion. C'est en cela qu'est né le projet Recherche Action pour contribuer à apporter une réponse à la problématique. La recherche action était venue donc de l'idée que ici au Burkina, on a entre 11 et 12% des pompes à motricité humaine qui sont en panne. Donc à l'heure où je vous parle, il y a au moins 5200 pompes qui ne fonctionnent pas, alors qu'il y a eu des investissements autour de ce point d'eau-là. La trouvaille associait le secteur privé à la gestion de ces points d'eau. Et c'est Vernier qui a été retenu pour le suivi et la gestion de ces forages. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Le rôle du fermier, c'est-à-dire celui qui a le contrat d'affermage à la commune, c'est d'assurer l'entretien courant des infrastructures qui lui ont été confiées par la commune en vue d'une gestion durable de ces infrastructures-là. À terme, ce projet vise à accroître l'accès à une eau potable de manière durable dans les communautés rurales. Le centre-ouest et les Cascades sont les sites pilotes de ce projet. Dans le but de toucher du doigt les réalisations sur le terrain, Lijako, l'initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement, était du 19 au 21 décembre dernier, dans le centre-ouest. Depuis longtemps, le gouvernement s'est engagé dans un processus pour améliorer la gestion des ouvrages.
c'est bien de réaliser, mais quand au niveau de la gestion, ce n'est pas bien assuré, bon, au niveau des indicateurs, c'est difficile de les améliorer. Il faut aller sur le terrain pour voir comment les différents projets qui se mènent là se font afin de pouvoir dupliquer ces exemples-là dans les différentes localités. Ici, on est satisfait parce que le projet Recherche Action en eau potable avait pour objectif de rendre disponible l'eau potable, de donner un service de qualité aux bénéficiaires. Sur le terrain, c'est d'abord dans la commune de Kion, dans le Sanguier, que la délégation a pu s'imprégner de l'utilisation de cette nouvelle méthode de gestion. Il y a un bon nombre de ces PMAS-là qui sont restés en panne. Avec l'arrivée de ce projet-là, on a trouvé qu'il y a un ouf de soulagement. Après Kion, la délégation s'est ensuite déportée à Dassa, toujours dans le Sanguier. Là-bas, la délégation a pu apprécier des démonstrations de recharge de crédit et de prélèvement d'eau à base de cartes magnétiques. J'ai vérifié la carte d'abord. Je vois 69 francs. Je sais que ça peut enlever. J'ai appuyé les deux bidons et ça sort 23. Résultat de ce partenariat, des expériences partagées sur les modalités pertinentes pour faire fonctionner à souhait une pompe à motricité humaine en milieu rural. Des résultats qui seront dupliqués dans les autres régions du pays. La protection des données personnelles enseignées au conseiller de la présidence du FASO, une rencontre initiée par la Commission d'informatique et des libertés CIL pour sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles et de la vie privée à l'ère du numérique. Les participants seront outillés pour faire face à la cybercriminalité et pour jouer ainsi un rôle de relais de la CIL dans leur cadre de vie. Pawan Drogo, Jean Zongo, Maïmouna Traoré. Il suffit d'un clic et les données à caractère personnel se retrouvent sur la place publique à la portée de personnes malveillantes. Pour la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés, personne n'est à l'abri, quel que soit son rang et son statut. Ce séminaire de sensibilisation vise donc à former les conseillers de la présidence du FASO sur les enjeux liés à la protection des données personnelles et de la vie privée à l'heure du numérique. Au regard de la mobilité du personnel au sein de l'administration, nous avons jugé nécessaire de renouveler la sensibilisation afin d'informer les nouveaux conseillers. La loi portant protection des données à caractère personnel prévoit des droits pour les personnes dont les données sont protégées. D'abord qu'ils connaissent ces droits, qu'ils connaissent également les obligations des responsables du traitement, qu'ils sachent se protéger. Et des attaques de la cybercriminalité, de différents modes de la société de l'information aujourd'hui. La formation porte sur le cadre juridique, la sécurité des systèmes d'information, les comportements à risque à éviter et l'usage du téléphone portable. Ce sont des outils que nous utilisons quotidiennement. Mais parfois, c'est un peu comme, j'aime toujours prendre ça comme analogie, les roses que nous adorons tant, porte des épines. Effectivement, le portable, ça nous rend de précieuses choses, mais derrière cela, il y a des risques. À l'issue de cette formation, les conseillers de la présidence du FASO devraient être mieux outillés pour faire face aux actes des cyberdélinquants et constituer des relais de la CIL dans leur cadre de vie. Une structure de solidarité et d'entraide mise en place au ministère de la Communication chargée des relations avec le Parlement, la Mutuelle des travailleurs du département, a été installée la semaine dernière. Elle est dirigée par une équipe de 6 membres installés lors d'une assemblée générale. Mathias Drabo, Tanga Kafando, reportage. De cette assemblée générale est née une nouvelle structure. La Mutuelle des travailleurs des agents du ministère de la Communication et des relations avec le Parlement. Dirigée par un organe de 6 membres, la Mutuelle a pour mission de travailler à la consolidation des liens de solidarité entre les agents du ministère. Nous avons un rôle de pionnier et en tout cas la suite dépendra donc de l'élan que nous allons impulser à cette Mutuelle-là. Et raison pour laquelle je vais inviter tous les collègues, membres du bureau qui ont été élus ce soir-là à se mettre à la tâche pour que nous puissions mériter la confiance
des agents et des autorités du ministère. L'équipe peut également compter sur les responsables du département qui s'engagent déjà à l'accompagner dans ses actions. Si l'administration a suscité, a porté et accompagné la mise en place de la mutuelle, c'est que l'administration vraiment est prête à accompagner toute action qui devrait permettre à la mutuelle d'être viable. Vous avez vu que le ministre lui-même, en ouvrant la séance, a avancé déjà 1 million de francs CFA pour soutenir la mutuelle. Et je pense que le ministère va réfléchir à un certain nombre de mécanismes qui pourraient permettre à la mutuelle de fonctionner convenablement. La structure est une première au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Et le bureau devra s'atteler à la mise en place des points focaux dans les différents services. Formation des guides religieux à l'initiative du mouvement sunnite du Burkina, le rôle des imams et prédicateurs dans la préservation de la paix sociale a été le thème retenu pour la rencontre qui a regroupé des imams des 13 régions. L'objectif était de renforcer les capacités de ces acteurs religieux pour leur prêche, consolider ainsi la paix sociale et œuvrer à cultiver l'esprit de tolérance dans les localités respectives. Rasmane Zundi, Mariam Dao. Un séminaire de formation de 72 heures pour la promotion de la paix sociale au Burkina. C'est une initiative du mouvement sunnite du Burkina Faso qui réunit les imams et prédicateurs des 13 régions du pays. Il s'agit ici de renforcer les connaissances de ces guides religieux pour qu'ils soient des vecteurs de paix dans leur communauté. Pour faire la presse, quand même, il faut quand même se former. Chaque presseur, derrière lui, il peut avoir à peu près 1000 personnes. Si le presseur même n'est pas bien formé, ça veut dire qu'il va induire les gens en erreur. L'islam, c'est avant tout une religion de paix, une religion pour que le prochain, donc les hommes puissent s'entraider. Donc ce n'est pas une religion pour que les gens s'entretuent, pour qu'il y ait donc des guerres, au nom donc de l'islam. Au niveau du Burkina Faso, nous faisons la différence entre la religion donc islamique, qui est une religion de paix, et ceux qui font une mauvaise interprétation du Coran et qui les amènent justement dans ce genre de comportement déviant. Pour ces 200 participants venus d'horizons divers, cette formation offre l'opportunité de partager leurs expériences sur la tolérance religieuse, la préservation de la paix et de corriger les mauvaises interprétations de l'islam. Les douars sont outillés pour véhiculer le message de paix de l'islam, pour qu'au Burkina Faso, on soit dans une société de paix où il y a la cohabitation, c'est-à-dire la bonne cohabitation sociale. La paix sociale fait partie des objectifs poursuivis par le mouvement sunnite du Burkina Faso. Et cette association entend, à travers les imams et prédicateurs bien formés, sensibiliser les populations contre l'extrémisme violent. 2 millions d'électeurs libérés en vote depuis ce matin pour départager les deux candidats restés en lice après le premier tour de la présidentielle d'octobre dernier. George Weah, arrivé en tête, fait face à Joseph Boakai, le vice-président. Le deuxième tour du scrutin, initialement prévu le 14 novembre, avait été reporté en raison de la contestation des résultats par le vice-président. Moussa Camara a beau chercher, il ne trouve pas son nom sur la liste des électeurs. Et pourtant, il fait bien partie des 2 millions de personnes qui sont appelées aux urnes ce mardi pour la présidentielle au Liberia. Neil Dor a plus de chance et il attend beaucoup du président. Éducation et assistance pour les pauvres, les femmes, les hommes, les enfants, spécialement les SDF. Anyone. Le gagnant m'importe peu, que Dieu nous aide à avoir un bon dirigeant pour que nos enfants aillent à l'école, pour qu'il y ait la paix et qu'on soit libre d'aller où on veut. And we should be free to move around. Le favori, c'est George Weah, l'ancienne star du foot. Il devançait de 10 points au premier tour le vice-président Joseph Boakai. Le choix de sa colistière fait grincer quelques dents. C'est l'épouse de Charles Taylor, l'ancien président condamné à 50 ans de prison pour crimes de guerre en Sierra Leone voisine. Le roi George, comme l'appellent ses partisans, promet des emplois et des investissements dans l'agriculture, l'école et les hôpitaux. Mais l'ancien attaquant du Milan AC est novice en politique et le Liberia est écrasé par des difficultés économiques.
La polémique prend des allures de contestation. Des milliers de Péruviens ont manifesté hier à Lima pour rejeter la grâce accordée à l'ancien président Alberto Fujimori, âgé de 79 ans et condamné à 25 ans de prison. L'actuel président du Pérou, Pablo Kuczynski, est accusé de remercier par cette grâce le clan Fujimori après avoir échappé à une motion de destitution. À Lima, plus de 5000 personnes ont manifesté lundi soir contre la libération d'Alberto Fujimori. L'ancien président péruvien a bénéficié d'une grâce présidentielle en raison de son état de santé. La manifestation a dégénéré dans la nuit et la police a fait usage de gaz lacrymogène. Selon de récents sondages, 65% des Péruviens se disaient favorables à une amnistie de l'ancien chef de l'État. Nous ne pouvons pas laisser mourir Alberto Fujimori en prison. La justicia no es venganza. Justice ne signifie pas vengeance. Le pardon est par nature controversé. De nombreux Péruviens sont opposés à ce pardon. Ma décision est complexe et difficile, mais c'est ma décision. Alberto Fujimori, 79 ans, ici avec son fils, est hospitalisé depuis samedi et souffre de plusieurs pathologies dégénératives. L'ex-président purge depuis 2007 une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité. Bouclons cette édition par la revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Noël 2017, des louanges et des prières pour accueillir Jésus, titre Sidoya. Et cela sous le signe de l'amour et de la solidarité, précise aujourd'hui au Faso. Une occasion pour le cardinal Philippe Ouédraogo de demander à l'enfant de la crèche d'aider le monde à aimer la vie et à la protéger, car elle est sacrée. Pour ce faire, ouvrons nos cœurs pour une société plus humaine, a-t-il indiqué dans ce journal. Autre point de l'actualité, aujourd'hui au Faso nous informe que les députés sont confiants pour l'économie en 2018 car le Burkina a réalisé la meilleure croissance de l'Afrique, précise Balassan Kandé dans ce journal. Par conséquent, les élus applaudissent l'exécutif pour ses efforts en matière de croissance économique, signe l'observateur Palga. Et ce, lors de la clôture de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année. Une session qui a servi de cadre pour le président Sakandé au regard des grèves au rythme exponentiel de dénoncer l'incivisme généralisé, souligne le quotidien d'État. Aussi a-t-il exhorté le gouvernement et les syndicats à trouver un compromis dont le Parlement veillera au respect. Hors de chez nous, les journaux se penchent sur le second tour de l'élection présidentielle libérienne. Mardi Vérité aux portes de l'exécutive mention indique aujourd'hui au Faso, qui s'interroge d'ailleurs qui des deux adversaires aura l'onction de la majorité, Joseph Boakye ou Georges Weah. D'après son analyse, c'est une compétition aux allures de revanche pour les deux, car s'étant combattus sur des listes opposées aux précédentes présidentielles de 2005 et 2011. Quoi qu'il en soit, l'observateur Palga espère seulement que la fragile paix sociale dans ce pays ne sera pas remise en cause par les ambitions des uns et des autres. Merci d'avoir suivi le journal. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTD.